Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 HD et plus précisément la campagne de Saladin. Aujourd'hui nous attaquons à la deuxième mission qui s'intitule le Seigneur d'Arabie. Et nous allons tout de suite commencer. La ville sainte de Médina, ma 15e année de capture. Combien de volumes n'ai-je pas noirci de mes mornes écrits? Seigneur Saladin ne les lit que rarement. Il dit que les événements les plus importants sont encore à venir. Les frontières politiques dans cette immensité du désert ont changé à la suite de 3 croisades. Il existe maintenant 4 états de croisés en Terre Sainte. Après la victoire des Sarrasins en Égypte, les chefs des croisés ont réalisé que Saladin était digne de leur intérêt. Ils lui ont rapidement proposé un traité. La paix enfin établie entre nous, j'espérais être renvoyé auprès de mon peuple. Mais cette paix de courte durée est déjà rompue. Et ce n'est pas un Sarrasin, mais un croisé qui a trahi sa parole d'honneur. Reynald de Châtillon, un méchant chevalier français, a fait un raid sur les territoires arabes au mépris du traité. Il a attaqué des caravanes de commerce et ses bateaux de pirates ont menacé les villes saintes des Sarrasins, Médina et la Mecque. Dans sa colère, Saladin a juré de tuer Reynald de ses propres mains. Voilà. Je vous parlerai de ça après. Donc, battez les pirates de Reynald, battez les commandos, faut empêcher que nos alliés soient détruits. D'où nos alliés Aqaba et Medina. Et Kata Sarazan n'a pas beaucoup à vous offrir pour démarrer. Il faudrait que je développe ma base. Vous gardez les voies de commerce ouvertes et j'aurai des ressources et assigner des unités pour garder les routes. Aidez-nous! Il y a des brigands croisés partout! Là, vous pourrez pas les sauver. Nous devons arrêter ces attaques arrogantes et croisées sur nos communautés pacifiques. J'ai pas assez de cavaliers pour les tuer. En difficile, vous n'avez pas assez de troupes pour les tuer. Autant en facile, vous pouvez vous permettre d'y aller un peu à la bourrin et ça passe. Autant dans ma difficulté, c'est impossible. Donc, il y a 3 ennemis. Les bandits, on s'en fiche. Alors, il y a les pilleurs de Reynald qui sont au nord. Que vous pouvez facilement détruire une fois que vous avez accès au premier bélier. D'une forteresse de la montagne, donc je vais vous la présenter. Et juste là, il y a 2 portes, 2 entrées. Donc vous les rasez, ça ira rapide. Et les pirates de Reynald qui peuvent aller à l'âge impérial, quant à eux. D'autres, c'est l'âge château et les autres à l'âge impérial. Sont un petit peu plus costauds et virulents. Voilà. Donc bien utiliser vos unités avec leurs bonus qu'ils ont. À l'entrée de la ville Gao, je sais qu'à l'entrée de la ville d'Aqaba, il y a énormément de moutons. Par contre, là, il me faut rapidement des maisons en plus. On va pas se mentir. Voilà. Tant que ça reste comme ça, ça ira parfaitement bien. Faut que je développe ça. La nourriture, ben étonné que vous avez énormément de gibier ici, vous allez énormément chasser en début de partie. En fait, c'est toujours très rentable en début de partie. Surtout si vous pouvez diminuer au maximum les trajets de transport. Donc je vais mettre un moulin là et ça ira bien. Faut que je fasse quoi d'autre? Ça je l'ai. Ah, j'ai pas de bâtiment militaire. Bon, quand j'aurai un peu plus de bois, je le ferai. Donc eux, en priorité le moulin. Par contre, je peux pas trop m'attaquer aux bandits. Les bandits de Reynald en début de partie sont ultra puissants. Donc méfiez-vous-en. Ah oui! C'est vrai que je vous montre une entrée, j'ai oublié de vous montrer la seconde entrée. Je viens de voir une infanterie là, c'est normal. Voilà, la seconde.
Ouais, j'ai totalement zappé la seconde, ça m'arrive. Ouais. Ironiquement, j'étais au courant qu'il était présente quand même cette seconde entrée. Simplement, je vous ai pas montré elle était où. Donc là, c'est plutôt calme. Vous voyez, les pilleurs de Reynag, vous mettez énormément de temps à lancer leur économie. Donc si vous vous dépêchez bien, vous aurez un gros avantage à ce niveau-là et vous pourrez rapidement y raser. Oui, là j'ai déjà un bon petit nombre de ressources. Il y a énormément de ressources de pierre là entre les deux. Cartographie, je vais le faire assez tôt. C'est toujours aussi dérangeant que ce soit payant. J'aime bien les épisodes suivants que ce soit plus payant. Récupérer de l'or aussi, c'est important. Non, je vais vous expliquer pourquoi je fais cartographique, c'est pour voir en fait où sont les bandits de Reynag. Qu'on a vu initialement là, d'habitude ils vont au nord, mais je préfère vérifier. Voilà, donc vous voyez les taux de change, c'est ultra rentable pour cette faction. Ah, c'est ce que je craignais, c'est ce que je craignais. Donc, ils sont rentrés et ils sont en train de... À l'aide! Les croisés attaquent nos routes commerciales! C'est le problème actuel. Oui, je vais faire mon... Vous pouvez pas en fait aller les attaquer comme ça et essayer de tuer tout le monde, et ils sont trop nombreux, donc vous êtes obligé de les attaquer par petits groupes. Et après, comme vous constatez, il y a énormément de moutons. Si possible, si je peux, si par contre, il faut à tout prix que j'évite que ces moutons... rentrent à la base adverse. Ça me sera très... ça par exemple faut aussi que faut pas que le marché meure, sinon vous avez perdu, qu'on soit d'accord. Bon, tant pis, ces moutons là sont partis, parce que normalement ils peuvent, vous pouvez garder beaucoup de moutons là autour. Les ressources s'accumulent, c'est plutôt bien. Au pire, j'ai récupéré les moutons là-haut quand j'en aurais besoin. Vous voyez tous les moutons qu'on peut se faire, hein. Il y a énormément de moutons. Plus je veux récupérer, mieux c'est, mais bon, c'est pas toujours possible de les récupérer assez tôt. Ah, ils ont... Ah, j'ai pas vu qu'ils en avaient deux. J'ai pas vu qu'ils avaient deux marchés. Ça sera moins grave que prévu s'ils les perdent. Ça, c'est bien. Ici, j'en ai 4, 3, il en manque 2. 3. Pas beaucoup de ressources, c'est... Enfin, j'ai pas mal de ressources, mais ça monte... J'ai l'impression d'être en retard par rapport à d'habitude, et c'est frustrant. Donc là, j'ai pas le choix, je suis obligé de les laisser faire, et j'ai pas les ressources pour les attaquer, donc...
Donc dès que j'ai ressources, passage supérieur, ça, y a pas à discuter, c'est une obligation. Pour rapidement pouvoir faire les... comment ça s'appelle? Les béliers, voilà. Les béliers, plus pouvoir faire rapidement... Donc rapidement pouvoir faire bélier, rapidement pouvoir faire des chameaux, voilà. Je crois que le nom c'est chamelier, le terme technique. Donc économiquement, vous voyez les pilleurs montent lentement mais montent sûrement. Donc méfiez-vous-en quand même assez vite. Il y a une relique là-haut qu'on ira chercher plus tard une fois qu'on aura rasé et récupéré le contrôle de la terre ferme. Ouais. Je vais envoyer mes villageois récupérer et manger les moutons. Il faut rapidement la nourriture qui... faut vraiment en fait aller le plus vite possible dans l'époque là. Voilà, les pirates sont déjà à l'âge des châteaux, faut moi aussi que j'arrive rapidement à l'âge des châteaux. Voilà, donc eux ils vont rapidement remonter là-haut. Ils vont me faire un moulin ici et ils vont manger tous les moutons. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, il y en a moins 18. Donc il y a énormément de ressources via les moutons que vous pourrez avoir. Et une fois à l'âge supérieur, bon, là j'ai un peu échoué, mais si vous pouvez les sauvegarder, sauvegardez vos troupes et soignez-les avec des moines une fois que vous passez à l'âge du château. Ça vous facilitera encore un peu le tout. Et enfin, in fine, vous pourrez faire un peu de commerce avec vos alliés si vous souhaitez. Parce que le commerce peut vous rapporter pas mal d'argent. Alors, à savoir que les bandits de Renal, ils attaquent toujours le... Avec leur tour de base, ils attaquent toujours cette ville-là. Je pense que c'est parce qu'ils suivent la caravane de Akaba et qu'ils dirigent vers les ports de cette ville. Je pense que ça provient de ça, après je peux me tromper. Donc là, il y a quand même beaucoup de bûcherons sur une zone de bois restreinte. Ah, les châteaux, ça c'est fait. Le monastère, l'atelier de sel à côté, et les premiers chameliers. Et ils veulent vraiment attaquer là le... Combien? Je me pose une question, je crois bien que je peux me mettre dans le forum et tirer avec le forum. Ouais, je peux. Vu que c'est un forum allié, je peux. Donc je viens... Donc ça c'est bon, là je vais... Ah mince, ça coûte 150, la cavalerie, c'est vrai. Donc eux, ils vont direct... Je vais directement en envoyer 3 par contre, là j'ai pas trop de temps à perdre. Le moine est là. Là, vous avez vu un exemple concret de l'avantage d'avoir vos villageois dans la ville du haut. Donc, eux, ils ont 0-0
en bonus, donc on va s'y attaquer. On va faire des béliers aussi. Voilà, donc eux ils vont retourner me chercher, me récupérer ça. Et en tout cas, vu que ça coûte pas trop cher, vous pouvez un peu échanger, mais actuellement je peux pas me permettre. Parce que j'ai pas suffisamment d'argent d'or en avance pour pouvoir faire ça en fait, les transactions. Il faudrait que je fasse ça après aussi, donc il faudra que je garde 75, je crois que ça coûte 125 à seconde. Vous me garde toujours 200 de bouffe. Augmenteur point de vie. Un point de vie, puis après avoir armure. 6, c'est déjà pas trop mal, donc je vais déjà me contenter de ça. Et je vais me faire un groupe de mineurs de pierre uniquement. Donc, il y a énormément de... Parce que avoir assez rapidement un château, ça peut quand même être utile. Notamment parce que les pirates de Reda, à un moment, vous commencez à débarquer avec beaucoup de troupes et ça peut très vite courir à la catastrophe. Là par contre, je vais pouvoir exploser cette porte. Par contre, je vous mets tout de suite en garde, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre que les pilleurs atteignent l'âge des châteaux. Qu'on soit d'accord, c'est... Voilà. Ce qui me vient, c'est comment j'ai attiré beaucoup. Pas grave. L'or n'est pas actuellement mon problème d'argent. Hein. Voilà. Les arrivages impériaux, il faut pas plus manquer mes châteaux. Voilà. Et ici, ben, on va faire des chameliers en plus, il me les faut. Il m'y est faux. Je trouve les avoir fait tard quand même. Les chameliers. J'en fais plus, j'ai besoin de rapidement beaucoup de troupes, donc on bourrine les troupes, on bourrine et on en fait le plus possible. Putain, exploser leurs flèches. Ouais, je vais refaire des béliers parce que là j'ai... Ah, tu peux mentir, j'ai eu beaucoup de dégâts là et... C'est possible, oui, je vais essayer de le sauver hein. De guerre.
annuler cette recherche. Parce que eux, ils vont maintenant, vu qu'il n'y a plus de moutons, il y en a deux qui vont rester, il y en a quatre qui vont me réparer ça, et après les autres vont rentrer. Enfin, tout ça vont rentrer. Là, on les tue tous. Ça demande que du bois de réparer un... Et puis il est toujours aussi rapide, mais bon, ça c'est normal. Est-ce que je me permets d'en acheter un peu? Oui. Ces deux améliorations, elles viennent bien assez vite là. Donc je suis passé ici parce que je savais qu'il y avait un moulin là. Ça me permettait d'attaquer leur une grande partie de leurs villageois, d'avoir facilement accès à un de leurs camps de tir à l'arc, ici derrière. Voilà, mince, j'ai mal mis, encore une fois. Non, mais arrêtez de vous bloquer, s'il vous plaît, là. Ça, c'est toujours un truc qui m'énerve dans ce jeu, c'est que parfois, les villageois se bloquent dans le décor. Et là, ce petit palmier me dérange, on va faire une ferme ici. Et vous, maintenant, vous allez m'exposer ça. Et maintenant on fait ça. Par contre, en étant à la chaudelle, comment ils ont fait pour avoir un bélier? Ça, c'est quand même une bonne question. Bon, en tout cas, voilà. Là, j'ai suffisamment de troupes pour m'en sortir correctement. Je vais récolter plus vite de l'or, ça serait bien. Le bois aussi. Alors j'admets avoir attaqué un peu précipitamment. Normalement j'attends d'avoir 4 béliers pour lancer l'assaut. Parce que vous avez vu que 2, ben c'est pas suffisant. Encore quelques baies, mais c'est plus rentable à ce moment là le temps que j'ai passé mes villageois, que j'ai récupéré les baies, que je ramène, c'est plus rentable du tout en fait. Voilà. C'est tout ce que nous pouvons sauver. L'or, une grande partie de votre or viendra de ça. Cette faction est morte, parfait. Donc mon moine, il peut maintenant aller récupérer la relique. Mes béliers, je vais les raser parce que ils vont être lents et je me retourne à reconstruire de nouveau. Je viens pour vous, Saladin, bientôt. Et voilà. Donc c'est une terre, va tout disparaître. Ne vous inquiétez pas, elle va pas rester longtemps. Elle va juste détruire ça, puis après elle repart. Donc ça c'est bon. Donc ça on peut faire... Là maintenant on va faire énormément de recherches.
Mince, les Pascal sont plus vite. Parfait. J'ai oublié de faire un bâtiment ultra important, c'est ça, l'université. Le bois doit être récupéré plus vite, l'or aussi. Et le Horlick est là comme prévu. Les barres des cahiers sont faites, la recherche suivante on va faire. Voilà. Là, faut comprendre qu'on a dégommé les groupes d'assaut des bandits. Maintenant, il reste des bandits un peu partout disséminés sur la carte. Mais c'est pas eux qui viendront vous attaquer. Si vous n'allez pas les chercher, ils vous dérangeront pas. Cependant, pour récupérer des ressources, vous êtes parfois obligé d'explorer la carte. Donc, vous tomberez dessus à ce moment-là. Donc à vous de voir, moi je vais les chasser groupe par groupe. Dommage, il a pris beaucoup de pierres là-haut. Bon, au moins, le commerce est sauvé. Les tours là de protection de la côte sont tous encore intacts, donc c'est plutôt bien. Enfin, je n'en ai pas une ici. Rasé maintenant. Donc mes chameaux sont presque améliorés au maximum. Maçonnerie pour améliorer. Alors le château sera vraiment votre outil indispensable pour protéger contre l'assaut des pirates hein, de Reynald. Alors qu'est-ce qu'ils font là eux? Je me demande si c'est pas des dégâts de corps à corps, ça. Les dégâts de ces chameaux, des mamelouks. Facile à voir, si l'amélioration, ça dépend si l'amélioration de portée... Hein. C'est des dégâts au corps à corps. Ouais, c'est des dégâts de corps à corps qui sont comptabilisés. Alors pour savoir ça, c'est simple, quand vous les améliorez... l'empennage, donc les améliorations d'attaque à distance, vos troupes à distance gagnent plus 1 en attaque et plus 1 en portée d'attaque. Enfin, plus 1 en dégâts d'attaque et plus 1 en portée d'attaque, plutôt. Force d'attaque, ils appellent ça. Les autres unités, c'est la force qui améliore l'attaque, c'est les unités considérées avec des dégâts de corps à corps. Et empennage, améliorant pas leur portée, c'est ça. Donc là. La nourriture monte plutôt bien, donc je suis assez content. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, ça. Je préfère une grande muraille tout autour. Je sais pas si c'est utile. Faudra par contre je trouve d'autres réserves de pierres, ce que je trouve pas en avoir. J'ai l'impression de rien avoir en pierre, ça c'est. C'est que souci. Or, il y a un camp des bandits à l'ouest de Medina. Voilà. C'est là qu'on voit que toutes mes armes sont de résistance quand même. Sacrément utile. Hein. C'est-à-dire, je prends que 3 de dégâts au lieu d'en prendre 5. Ça, c'est bon. Mur fortifié, tour de garde, j'en compte pas en faire ça. Ça pourrait être utile pour aller un peu plus vite dans les constructions. La vitesse de déplacement de ma cavalerie, je l'ai pas faite. C'est une erreur. Alors, à savoir que les pirates de Reynald vont faire beaucoup de cavaliers. Des galions, en plus des galions, etc. Mais vont faire beaucoup de cavaliers, donc attention à ça. Les mamouks sont très efficaces contre, donc profitez-en. Et nous, quant à nous, on va maintenant explorer pour retrouver de la pierre, ce que je ne
je connais pas la map par cœur. Donc on va chercher la pierre. Alors, vous pourrez vous amuser à faire des goûts. Je crois qu'il va en récupérer un, il va devenir mon constructeur attitré, il va me... Pourquoi le mur n'a pas voulu se mettre? Donc ce que je vais faire, alors c'est... Je passe sa meilleure des stratégies. Mais d'habitude je mets des murs autour de ma ville, là je vais tester autre chose. Pour une fois je vais innover. Je vais construire des murs ici. Voilà, une force de débarquement comme prévu qui devait arriver tôt ou tard. Plus elle venait tard, mieux c'est. Je crois pas qu'il fasse de paladin. À l'aide! Les croisés attaquent nos routes commerciales! C'est un immense bonus par contre contre les cavaliers, les mammouths. Voilà. Alors là, on va construire ça. Donc, je vais soigner ma cavalerie. C'est d'où l'importance d'avoir un moine. Ils vont redébarquer des troupes là. Comme prévu. En fait, je me demandais où étaient les unités de série. En fait, ils étaient dans le grade suivant. Alors, les tours de garde, si vous pouvez les sauvegarder, c'est parfait. Si vous pouvez pas les sauvegarder, c'est tant pis. Attends, déjà, on va déjà tuer le fermier. Donc là, on va barricader là aussi. Je vais faire quelques cavaleries d'éclairage pour explorer un peu l'environnement. L'Ipiki pourrait m'être utile, je suis en train de réfléchir. Quoique... Tant que j'ai beaucoup d'or, je pense pas en avoir besoin. Mais... À voir. Donc eux ils vont rejoindre par contre le groupe de bûcherons là-haut. Je vais faire cette recherche là. Alors ça c'est une technique que j'ai découvert assez récemment, c'est pas... Dans une mission on est obligé de mettre en fait le château dans la ligne de défense et j'ai remarqué que c'était ultra utile, notamment quand l'ennemi a énormément de troupes de corps à corps. Par contre, j'ai pas oublié... La grille et en poste on va raser. Voilà, comme ça leur cavalerie pourront attaquer mon château, donc ils vont être attirés par le château. Mais pourront pas plus. Ils devront le démolir pour avancer en fait. Et maintenant on va faire de votre côté. Et j'espère sincèrement trouver de la pierre, parce que là...
Le manque de pierres est un problème. Pas tant pis, j'ai pas trouvé ma pierre, c'est pas grave. J'aurais besoin d'un constructeur ultérieurement, donc on va déjà envoyer.